Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. La jeunesse camerounaise était à l'honneur ce lundi 11 février à l'occasion de la 53e édition de la Fête de la Jeunesse. Célébration au cours de laquelle le chef de l'État, Paul Biya, a renouvelé son engagement envers ses jeunes compatriotes à améliorer leur accès à la formation professionnelle et à l'emploi. La 11e édition de la journée de la création d'entreprises s'est déroulée ce samedi 9 février à Paris. Organisée à l'initiative de l'association Maroc Entrepreneurs, cette journée a pour ambition de mettre l'accent sur le partenariat économique entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Et puis le Rwanda a mis de nouveaux billets de 1 000 et 500 francs rwandais sur le marché ce lundi 11 février. Des billets imprimés en Russie et en Allemagne et supervisés par la Banque nationale du Rwanda. Au Cameroun, la fin des activités de la Fête nationale de la jeunesse a été marquée ce 11 février 2019 par un défilé civil des jeunes. Pour cette 53e édition, le chef de l'État, Paul Biya, a réaffirmé sa volonté d'offrir à ses jeunes compatriotes des emplois décents par l'amélioration de l'accès à la formation. Reportage auto-correspondante Viviane Baoken. Au boulevard du 20 mai ce 11 février 2019, les jeunes lycéens, collégiens et universitaires se sont déployés avec assurance. Porteurs de messages fort significatifs, ils ont réaffirmé au gouvernement leur volonté de participer à la construction d'un pays fort et uni. Déjà, la 53e édition nous interpelle fortement vu que le thème parle de la construction d'un Cameroun en paix, stable et émergent. Donc, cette jeunesse qui a défilé aujourd'hui de façon solennelle, voilà, a bel et bien prouvé que nous sommes prêts à aller dans la vision du chef de l'État et à bien sûr construire notre Cameroun en toute quiétude et en toute paix. Et pour traduire l'intérêt que le Cameroun accorde à sa jeunesse, le chef de l'État, Paul Biya, a annoncé des mesures importantes pour l'amélioration des conditions d'accès à la formation professionnelle pour chaque jeune. Parmi ces mesures, la création de 500 000 emplois en 2019 et la densification de l'offre de formation dans les nouveaux centres CRI. Nous avons beaucoup d'universitaires diplômés qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de métier. N'ayant pas de métier, c'est difficile d'avoir de l'emploi. C'est pour ça que le changement de paradigme est indispensable, que ceux qui ont déjà fini leur formation mais qui n'ont pas d'emploi acceptent de se remettre en cause, n'est-ce pas, pour apprendre un métier. Et nous allons le faire naturellement sur l'ensemble du territoire, dès lors que la loi de 2018 nous en donne la compétence. Avec pour thème jeunesse, grande opportunité et participation à la construction d'un Cameroun en paix stable et émergent, le défilé de ce 11 février 2019 a clôturé 11 jours d'activité avec au centre des festivités des débats sur les grands sujets économiques, politiques et socioculturels de l'heure. Au Tchad, les partis alliés de la majorité au pouvoir ont condamné à l'unanimité ce samedi 9 février les attaques des forces rebelles qui ont tenté de faire incursion sur le territoire tchadien. Ils estiment que ces attaques orchestrées par les rebelles de l'UFR ont pour seul objectif de déstabiliser les institutions démocratiques du pays. Reportage auto-correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Ebessa. Au Tchad, la tentative de déstabilisation du Nord-Pays ces derniers jours par des groupes armés en provenance de la Libye n'a pas laissé indifférents les partis politiques de la majorité. Pour le mouvement politique du salut, ces attaques terroristes ont pour seul but de saper les progrès démocratiques du pays. Au moment où notre pays écrit une nouvelle page de son histoire, après avoir retrouvé la paix et la stabilité, le Bureau politique national du mouvement patriotique du salut condamne toute tentative de déstabilisation des institutions de l'État qui saperait nos fondements démocratiques. Réunis en urgence ce samedi 9 février 2019, les partis alliés au pouvoir indiquent soutenir les promptes réponses de l'armée nationale tchadienne face aux menaces terroristes et appellent la classe politique à ne pas se livrer à des jeux politiques car le pays est en danger. Le Bureau politique national du mouvement patriotique du salut estime qu'au regard de cette grave menace terroriste qui pèse sur notre pays, l'heure doit être à la condamnation sans équivoque de cet acte et non à des jeux ou calculs politiciens égoïstes. Car ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers temps, ces derniers jours, dépasse le cadre d'une rébellion ou du mercenariat. C'est purement et simplement du terrorisme. Par ailleurs, les organisations des partis politiques de la majorité se sont constituées en comité de veille et de vigilance pour sensibiliser et tenir informées les populations des opérations de ratissage de l'armée dans les zones de combat.
Au fil des années, l'événement est devenu incontournable. La 11e édition de la journée de la création d'entreprises a eu lieu à Paris ce 9 février, organisée par l'association Maroc Entrepreneur. Le rendez-vous a réuni institutionnels, professionnels et porteurs de projets. Radim Silla, Clément Guédès et Evina Naudin. Networking, masterclass, conférences, remise de prix. L'association Maroc Entrepreneur a organisé la 11e édition de la journée de la création d'entreprises ce 9 février à Paris. Un événement annuel qui se veut l'emblème du partenariat économique entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. De nombreux entrepreneurs et porteurs de projets ont répondu présents. Je suis le fondateur de la start-up Handy Catch. Handy comme pratique et catch comme attraper. C'est une plateforme de smart recrutement basée sur la vidéo et la géolocalisation. Et nous sommes très intéressés par donc le marché marocain et éventuellement le marché africain. Shopless, une plateforme de mise en relation qui permet à tout résident au Maroc d'acheter sur n'importe quel site e-commerce international. L'association Maroc Entrepreneur a placé cette 11e édition sous le thème Europe, Méditerranée, Afrique. Quel partenariat d'avenir pour ce projet commun? Avec plus de 12 000 membres et 30 entités partenaires, l'association Maroc Entrepreneur se donne pour ambition d'être porteuse des tendances entrepreneuriales. La journée de la création d'entreprises a toujours été le lieu de rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs, de nos porteurs de projets du concours Tremplin Maroc, mais aussi d'acteurs du Maroc, d'acteurs du monde entrepreneurial. Maroc Entrepreneur a également célébré le 11e anniversaire de son concours phare, labellisé Tremplin Maroc, le 9 février 2019. Un concours qui a pour objectif de stimuler l'envie d'entreprendre. Depuis sa création en 2007, Maroc Entrepreneur a pu accompagner 70 projets, dont la création de 14 entreprises. La Banque nationale du Rwanda a remplacé les deux billets les plus bas du pays ce lundi 11 février par des versions mises à jour. Les nouveaux billets de 500 et 1000 francs rwandais intègrent de nouvelles fonctions de sécurité qui permettront de mieux combattre la contrefaçon. Pour un coût total de 5 milliards de francs rwandais, la BNR devra payer 1,6 milliard de francs rwandais pour une durée de 3 ans, le temps nécessaire pour éliminer complètement les anciens billets en circulation actuellement. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Fratenda Kaisinga. Les nouveaux billets de 500 et de 1000 francs rwandais seront mis en circulation à partir du 11 février 2019. Pour un coût de 5 milliards de francs rwandais en 3 ans, ces billets remplaceront ceux qui avaient été imprimés en 2013 et 2015 respectivement. Selon la Banque nationale du Rwanda, c'est pour des raisons de sécurité que ces billets ont subi des changements. À part quelques changements dans la technologie de ces billets, on avait toujours eu des plaintes que ces deux billets se ressemblaient en quelque sorte. Et puis, celui de 500 francs s'usait très vite. Donc, dès que tous les billets qu'on avait imprimés se sont tous usés, on a été obligé de changer. L'un des objectifs du Rwanda est de devenir une économie sans numéraire d'ici 2024. Mais selon les autorités rwandaises, bien qu'il y ait eu des améliorations dans ce sens, ce processus prendra un peu plus de temps que prévu. Ceci à cause des coûts encore élevés des transactions électroniques, selon des experts. C'est vrai, on fait la promotion d'une économie sans numéraire, mais ce n'est pas une chose qui change en une nuit. Ça prend du temps pour que tout le monde puisse comprendre. Même dans les pays développés, on imprime toujours des billets. Les changements apportés aux nouveaux billets incluent les signes de la culture rwandaise, tels qu'un danseur traditionnel sur le billet de 1000 francs ou encore le pont suspendu sur le billet de 500 pour la promotion du tourisme. En Côte d'Ivoire, les travaux de construction du quatrième pont d'Abidjan vont impacter plus de 14 000 ménages. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 30 milliards de francs CFA pour dédommager ces ménages. Cependant, alors que le délogement de ces derniers est imminent, certains ménages n'ont pas encore perçu leur dédommagement, chose qui inquiète les chefs traditionnels. Reportage en correspondant, Olivier Diakoutan. Après une organisation non gouvernementale, c'est au tour de certains chefs traditionnels de demander aux autorités ivoiriennes d'indemniser et de reloger les populations impactées par le projet de construction du quatrième pont avant le démarrage des travaux. L'opération de déguerpissement est imminente, mais l'indemnisation et le recasement tardent à se concrétiser pour certaines personnes. Le projet du quatrième pont sera menacé. Peut-être qu'on va même qu'il y aura les grèves, ou bien les gens vont se lever encore pour lui faire blocage aux travaux. Pour dire, il faut forcément que non, on les recasse. Donc moi, ce que moi je peux dire à travers votre micro,
c'est d'interpeller seulement l'État de Côte d'Ivoire à être regardant sur tout ce dossier. Les chefs traditionnels se félicitent néanmoins de la décision du gouvernement de renoncer à la destruction de 108 habitations d'Adjamé Village dans le cadre de la construction du quatrième pont. De juste milliers trouvés, donc le village d'Adjamé ne sera pas dégagé. Le village d'Adjamé va rester où, depuis le village d'Adjamé est, mais seulement c'est le pont qui sera tout juste décalé. Et je suis ravi et tellement content parce que nous, en tant que chefs traditionnels, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. D'un coût global de 109 milliards de francs CFA, le lancement des travaux de construction du quatrième pont a été effectué en juillet 2018. Cette infrastructure traversera les communes de Yopougon, d'Atekoubé et d'Adjamé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.